Attendez que je récapitule un peu. Cet homme-là, Antigonos, organise une expédition pour aller convaincre les barbares. Sauf qu'on est en 573 et il est mort en 545. De surmenage. Mais à part ça, ça va. Il les a envoyés, il est content. Il est balèze le mec, il est super balèze. Salut à tous, c'est Quincy, on se retrouve aujourd'hui sur Imperator en Rome pour la suite de notre partie avec Sparte et plus particulièrement avec la Ligue Péloponnésienne pour le coup. Alors on s'était arrêté, on était allé au fer avec Rome, ou contre Rome plutôt, ce qui s'était conclu par une victoire de nous, tout simplement. On n'a pas gagné contre Rome, on avait gagné ce terrain-là qui nous permettait de... qui était défendu par Rome, et on a aussi récupéré le petit bout qui nous manquait ici. Donc tout ça, c'est bon, on a fini la guerre, alors... ça, c'est bon, il n'y a pas de problème, recherche en berne, on connaît, ça, c'est bon aussi. Réserve de nourriture basse, ici, oui, et ici, d'accord, bon, c'est les deux qui risquent de se rebeller au bout d'un moment. Soutien aux prétendants, innovation. Alors on peut faire des innovations, ce serait pas mal. Coup de l'infanterie lourde, ce serait pas mal. Il faudrait d'autres choses. Effectif plus 5%. Bon, pour l'instant ça va à peu près. Portée diplomatique, production, capacité de peuplement, valeur des exportations. Alors le valeur des exportations plus 10%. Si je ne dis pas de bêtises et que je vais dans économie, ça ce sont les exportations. Taxes portuaires, machin. Donc plus 10%, ça nous ramènerait quand même un peu plus d'argent. Donc pourquoi pas. Recherche, technologie, on va voir. Hein. C'était commerce, on a 35-57. Est-ce que ça va marcher comme ça le fait, valeur des exportations? Voilà, alors on regarde 35-57. Est-ce que ça va remonter un petit peu? Hop, 37-36. Voilà, donc c'est pas plus mal. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voudrait faire? On sait qu'on a Thrace et Tyras. Donc Tyras, qu'on est en train de qu'on est en train d'intégrer. Bon, ça va prendre un peu de temps, hein, 627. Donc encore 60 bonnes années. Les Cathares, on est en train de fabriquer une revendication sur les Cathares. Ils sont où les Cathares? Ils sont là, on est en train de fabriquer une revendication sur ce pays, sur ce truc-là. Ils sont alliés avec Rome. Donc si je devais les attaquer là, non, je peux pas encore. Voilà, et l'Arcananie, on est en train d'intégrer ça aussi. Ça devrait arriver un tout petit peu plus vite, mais quand même dans assez longtemps, dans au moins une vingtaine d'années. Donc, c'est pas tout à fait ça. On a des revendications sur la Phrygie. Ce serait bien qu'on aille poutrer un peu la Phrygie, sachant que... Ils risquent d'avoir un gros problème. Un gros problème ici. Alors, est-ce qu'on pourrait sauter sur l'occasion? Si on attaque la Phrygie, qui vient? EB, Ligue des Nésiotes. Ça serait peut-être l'occasion de venir récupérer tout ça. Donc ça appartient à l'Égypte, mais EB c'est là. On aurait... Chersonèse qui pourrait venir. Alors Chersonèse, t'es allié avec qui? T'es allié que avec moi. Mais l'indépendance est garantie par la Phrygie. Si on rompt l'alliance, ça va nous mettre en...
Si on rompt l'alliance, par contre, ça va nous mettre en... en trêve pendant quelques années, ce qui n'est pas toujours très top. Je pense qu'on pourrait essayer de récupérer pas mal de terrain en Phrygie. Genre celui-là, on l'a. Ouais, fabriquer là-dessus. Fabriquer une revendication. Je vais fabriquer une revendication ici. Il faudrait qu'on aille en guerre contre la Phrygie. Jeux de la cité à Sparta. Les longs préparatifs des Jeux de la cité touchent à leur fin à Sparta, qu'à quelques jours des premières épreuves. La capitale a commencé à nous demander un soutien financier de manière à les rendre encore plus luxueux que ce n'était prévu au départ. Ou que ce n'était au départ prévu. Répondre à cette demande nous assurait, de fait, de bénéficier d'un net regain de popularité au sein du peuple. Mais oui, mais ça va nous coûter cher. 99, on s'en va en fait. Ligue Péloponnésienne. 5 en légitimité, ça va. Agitation locale, moins 3 à Sparta. A priori, pas trop. Mais lui, il gagne en notre machin, il gagne en popularité. Donc oui, pourquoi pas. Il est jeune, hein, encore notre monsieur là. Successeur possible. C'est le même gars que... Lui, il était pas à Rome il y a 100 ans. Il ressemble vachement à un des mecs qu'on a au début de la partie à Rome. Donc son épouse est là. Elle est enceinte, elle devrait accoucher le 16 décembre. Donc on va... sûrement avoir un héritier bientôt. On va sûrement avoir un héritier bientôt. Un ou une héritière. Alors, eux ils font quoi? Eux ils sont là. Faudrait qu'on vous ramène. Parce que je profiterais vraiment très bien. Du coup. De ça. Il y a 52 mecs là. Je profiterai bien de l'explosion de la Phrygie pour leur sauter dessus. Essayer de casser 2-3 trucs. Non? Ah, rébellion phrygienne. Ah, mais ça va pas me. Ça me plaît pas en fait ça. Rébellion phrygienne. Parce que si je défends. Si je récupère... Ah non, mais non. C'est pas top, ça. Faudrait que ça revienne sur la Phrygie. Faudrait que la Phrygie récupère les territoires pour que je puisse ensuite aller les chercher. Cyrénaïque appelle aux armes. Contre Rébellion Phrygienne et Amisos. Et là, si je fais ça, ça va me mettre... Bon, allez, ok. Rébellion phrygienne. Est-ce qu'on pourrait aller directement là? On va aller directement là, on va voir ce que ça donne. Mais là où c'est drôle, c'est que si j'attaquais la Phrygie... Chersonèse viendrait. C'est bizarre ça. On pourrait faire venir la Cyrénaïque. Thrace serait obligé de venir. Chersonèse. Ça me permettrait de casser mon alliance avec Chersonèse. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Si je peux essayer de récupérer un peu de territoire ici, ce serait pas mal. Alors, le Basileus de Cyrénaïque offre son amitié. Cela pourrait s'avérer utile, oui. Attendez, on va se roder un petit peu là-dessus. Toi, tu vas là. Tu vas même aller là directement. Et si on fait ça, on sera en guerre contre les deux. Donc, on va attendre ici. Je vais voir ce que ça donne. Est-ce que si je récupère... On va faire plus simple. On va aller là. Si je récupère ce territoire, est-ce que ça passe directement à la Phrygie? Si c'est le cas,
Non, c'est... C'est par... contrôlé par moi, d'accord. Attends, tu vas aller chercher ça. Peut-être moyen de gratter un peu de territoire. Restructuration militaire... entamer une restructuration... Machin, entamer une restructuration complète de la hiérarchie des forces placée sous son commandement. Ça va, il est loyal. Il va récupérer... Ouais, ouais, ça me va, ça. Tu peux pas aller là, non. Bon, on va faire tomber ce fort-là d'abord. Toi, tu vas venir jusqu'ici. Toi, tu viens là. Là, on en a 21. Venez là, tiens. Alors, Rébellion Phrygienne a quand même quelques bateaux. C'est pas rien. Des avancées technologiques, ça nous apporte quoi? Ça va nous apporter... Amélioration de l'opinion, ça peut être sympa. Loyauté des personnages. Revenus tirés des tribus. Plus 10%. Bon, on fait pas énormément d'argent sur les tribus non plus, donc c'est pas très très grave. La discipline des trières peut être pas mal quand même. Encore faudrait-il en avoir un peu plus que deux. Des trières. Ah, ils vont arriver là avant moi. Ça va pas le faire. Si, c'est moi qui le garde, ça. Du coup, ça va passer à la Phrygie, ça. Ouais, donc, tu vas me chercher ça ici. Là, on va vouloir que ça tombe assez rapidement. Ce qui serait bien, c'est de garder, d'essayer de manger une bonne partie du territoire ici. Ça pourrait être fun. Siège tombé. Donc ça, ça va, c'est parfait. On va venir prendre ça. Ça, c'est bien. Parce que la Phrygie est en train de remanger tout son territoire, là. Moi, je veux... Je peux essayer peut-être de récupérer 2-3 trucs. Ce serait vachement bien. Si je pouvais siéger tout ça et en récupérer des territoires, a priori non. Non, faudrait que je... Je pense qu'il faudrait que je fasse ça. Alors faudrait faire la paix maintenant. Négocier la paix. Alors si je veux ça... Nous ne pouvons pas abandonner nos alliés avant 36 mois de conflit. Cela devra donc attendre jusqu'au 2 février 570. Ouais, ça va être... ça va être kiff kiff même. Essayer de récupérer un maximum de machin, sachant que quand nous on aura gagné... Ah, attendez, parce que... Là, ça veut quand même dire qu'on est... La Phrygie n'est pas dans notre camp. C'est-à-dire qu'on fait la guerre à... On fait la guerre à la rébellion phrygienne sans que la Phrygie soit dans notre camp. Ça, c'est parfait, ça. Ça veut dire qu'il faut vite récupérer les territoires qu'il nous faut. Très important, ça. Toi, tu me le gardes. Déconne zéro. Toi, tu vas aller me chercher ça. Oui, ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Ça, c'est à moi. Voilà, donc ça, tout ce qui est ici, on devrait pouvoir le récupérer. Siège perdu. Ah, là-bas. Ça va, c'est pas... Ah, faut récupérer tout ça impérativement. Parce que plus je récupère ça, plus je vais pouvoir gagner du terrain, en fait. Et ça, ça va être critique. Et en plus, si j'ai la capitale... tu en as eu des morts. Lui, tu veux ça, d'accord. Toi, tu veux ça... Tyrannie mensuelle, pourquoi pas. Proposition d'Edition. La tribu voisine d'Edition a commencé à investir une bonne part de son trésor pour ouvrir la frontière avec nos territoires. Il est à espérer que la Ligue Péloponnésienne pourra en tirer parti. Car même si ces gens sont plus turbulents que nous le sommes, nous-mêmes... Il pourrait s'avérer être de véritables amis à l'avenir. On gagne 17, agitation, un peu d'agitation de vocale, mais ça devrait le faire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? El général.
Alors, un chercheur qui est mort et on a les hippalides. Hippalides. Il leur manque un, d'accord. Oula, là, il se passe plein de choses là. Expansion agressive. On continue de réduire parce qu'on va en récupérer un petit peu là, je pense. Est-ce qu'on peut mettre un hippalide? Oui, on pourrait mettre un hippalide, ce serait pas mal d'ailleurs. 49 ans, t'es un peu léger, mais ça devrait le faire. Et du coup, toi, on peut mettre quelqu'un de bien. Genre toi. Non, toi, c'est... Discipline des archers, discipline d'infanterie légère. Ah, c'est pas mal, ça. Toi, t'es pas mal pour... pour ces petits bonhommes-là. Faudrait que tu viennes jusqu'ici. Faudrait que tu viennes jusqu'ici. Allez, faut me garder du territoire, faut empêcher machin de venir. Et toi, tu vas aller directement là-bas. Très très important. Ils veulent. Ah zut, trop tard. Amisos et bah allez, on va aller chercher ça, tiens. On va aller chercher ça tout de suite. J'avais ça, toi tu viens là. C'est ce que je craignais en fait, c'est que la guerre soit finie trop rapidement et qu'on puisse pas réclamer des trucs. Bon, ça arrive. Par contre, attendez, parce qu'on est... Olympie, Arcanani, machin... Toi t'es en guerre contre... Ouais... Toujours le problème, ça, et nous on est donc en guerre contre ces deux petits machins là. Mais si ces deux petits machins là on pouvait les récupérer, ce serait pas mal en fait. Fin de la guerre civile phrygienne, nous verrons donc. Et commencer au niveau de l'argent et des troupes, 122 cohortes et quand même beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc là, si on était amené à déclarer la guerre, Chersonèse viendrait. On va sûrement faire un peu la guerre contre ça. Mais j'aimerais bien récupérer Amisos d'abord. Toi, tu vas revenir ici. Toi, t'es là, on va te mettre ici. Toi, tu vas te mettre ici. Toi, tu peux te mettre ici. On peut même aller chercher ça là. On va devoir passer par là. Alors, qui c'est qui est mort? Heraclide. Heraclide plutôt. 6, ça va. C'est pas loin des dégueux. Toi, t'es encore en... Est-ce qu'on peut te récupérer ici? Ah non, mais je vais me faire poutrer en fait. J'arrive avec 0 de morale. Oh, il y a moyen que ça passe quand même. C'était... un peu dangereux. Perdu beaucoup trop de troupes pour rien. On l'a quand même gagné. Parfait. Ah, on va aller chercher ça par contre. Attendez, ça c'est bon. On les amène. On va passer ici. Vite, vite, vite. Toi, normalement, tu devrais périr. Voilà. Capture. C'est parfait. Ouais, si je peux récupérer ces deux petits terrains, ce sera fait. Je sais même pas si on en a besoin pour les missions, mais ça pourrait déjà être pas mal. Je peux toujours pas te demander moins 37. Base en politique, opinion, puissance actuelle.
Ça commence à venir, ça commence à venir. Et peut-être le statut de client. Si lui on peut le mettre en client, c'est parfait. Si on peut pas, ça va être maintenance de la marine basse. Ah. C'est pas grave, on va le mettre en élevé. Allez, vous descendez, vous venez jusque là. Demandez une route commerciale, oui. Donc c'est ces deux-là hein, contre qui on est en guerre. Exactement. Trace, viens nous chercher tout ça. Oui, s'ils veulent. Bon bah toi du coup il est où notre bateau? Voilà, on a remporté ce siège, on va aller récupérer ça. Le bateau il arrive. Du coup si Trace est en train de d'atterrir là. Ma trace est là, d'accord. Donc toi, en fait, on va t'envoyer là directement. On va aller choper ça direct. Jeux Olympiques, alors qui sait. Ouh. Mais bon, on est parti pour les gagner. Général de la 5e Stratos. C'est dommage parce qu'il était général. Mais Démocritos. Voilà. Du coup, il nous manque un général. Évidemment. Ah non, c'était pas encore celui-là. Théonoride, oui. Toi, t'es bien, mais t'es une famille opposée, donc j'ai pas trop envie de te mettre là. Ce serait pas sûr de garder quelqu'un avec des raisons pour pousser la discorde en tant que général d'une grosse armée. C'est pas impossible, mais c'est pas top. Et on va essayer de récupérer tout ça en fait. Ça se sera fait. Et alors la Phrygie. Voilà, on a gagné. Est-ce que ça aide? Est-ce que ça aide ça? Moins 44, non, c'est pire qu'avant. Pourquoi quoi? Puissance potentielle. Bref. Il me faudrait. Alors, faudrait qu'on fasse la guerre à la Phrygie sur un territoire banal. Ça, c'est pas la Phrygie. Je revendique quoi, moi? Je revendique ça. Faudrait faire la guerre pour revendiquer sur ça. Et tenir le plus longtemps possible. Et ça devrait nous aider. Surtout si Chersonèse pouvait venir, ce serait pas mal. Parce qu'après. Ça veut dire que l'autre ne garantirait plus Chersonèse. On pourrait essayer de poutrer Chersonèse au passage. On est d'accord là, si je te déclare la guerre. Voilà, Chersonèse vient avec nous. C'est assez rigolo. Pas tout de suite, bientôt, bientôt. On va bientôt s'occuper de toi, Phrygie. Ne t'inquiète pas. Ces derniers temps, un nombre sans cesse plus important de personnes ont commencé à vénérer Tichée, attirés par la promesse de la faveur des dieux. Un prêtre et plusieurs adeptes viennent ainsi d'arriver à Tarpodiso pour y bâtir un nouveau lieu de culte. C'est où Tarpodiso? C'est au milieu là. Tarpodiso, c'est ici. Leur promesse, si nous leur versons quelques fonds pour entamer les travaux, est que l'île péloponnésienne connaîtra de grands succès et que le peuple prospérera. 418 quand même. Le culte s'implante, on perd 20 en légitimité et lui perd 10 en popularité. Elle remonte de quoi à 0,18? Ça fait mal, mais... Non, pas besoin de ça. Loin de là. On avait quoi ici? Tribu. Donc le reste, ça va. Il faudrait qu'on fasse plus d'argent quand même. Pour pouvoir commencer à investir dans les technologies, ce serait pas mal parce que ça commence à être difficile. Tu peux pas me le filer, ça, par contre. Bah, si, 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 il me l'a filé. Je t'ai pas en. C'est vert parce que c'est la carte diplomatique. Je croyais que c'était vert parce que c'était Trace. Non. Général de la 3e Stratos. Ah! Apparition du culte d'Isis. Un navire est arrivé dans le port de Anchialos, d'où a débarqué un prêtre du culte d'Isis.
Le culte de cette déesse égyptienne est de plus en plus pratiqué et ses rites et célébrations sont désormais souvent comptés parmi les cultes mystères du panthéon grec. Si nous l'y autorisons, son culte va se propager en ligue péloponnésienne et commencer à partager certains de ses enseignements parmi le peuple. Mais nous en avons entendu parler quand bien, donc sans doute n'y a-t-il guère de raison de s'en inquiéter. Laissons donc ces prêtres s'établir parmi nous. Ouais. On peut pas les reconvertir par contre. Une fois que c'est converti, on peut pas les reconvertir. Ah, lui qui est mouru. Bah toi alors. T'as quoi comme trait d'ailleurs toi? Audacieux. Fidélité moins 5. Dommage infligé au navire. Bon. Bon d'accent. Victoire. Et on n'a pas perdu de bateau. C'est bien. Je suis pas en guerre contre eux, là. Qui c'est qui fait la paix? C'est Cyrenaï qui fait la paix contre moi. Ça va pas, non? Je veux ça. Hein? Et ouais, je prends. Cité hellénistique. Bon, on a ça. C'est bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait... Il faudrait qu'on fasse qu'on se barre. Il y a des ports, ouais, tout ça ce sont des ports. Se ramener là, ce serait pas mal. Et là, faudrait qu'on attaque la Phrygie. Ça, ce serait rigolo. On est toujours en train de faire... On a fini, en fait, la revendication en Phrygie. Ah, ça m'a annulé la revendication parce que c'était ici. J'ai paumé des points ou peut-être pas, non. Cette province là, et alors si on déclare la guerre à la Phrygie, on peut pas déclarer la guerre, faut attendre un tout petit peu. 25 avril, mais oui, ils sont pas Cyrénaïque est garanti par Phrygie et Chersonèse est garanti par Phrygie. Ils sont garantis mais ils sont pas alliés, et ça peut être assez rigolo. Ça, c'est la province de Mysie, et donc si on déclare la guerre contre la prendre la Mysie. Donc on se retrouve contre 100 cohortes, avec un peu de sous quand même. Là, il y a 7 cohortes, 12 cohortes, 12 cohortes aussi. Par contre, en face, c'est 22, 19, 11, 41 cohortes, la Cyrénaïque, Chersonèse. 33 cohortes. Et Olympie, 7 cohortes. Ce serait pas mal. Il faudrait qu'on aille chercher ça quand même. En fait, il faudrait que vous reveniez. Là, eux pourront pas passer vraiment. Mais nous, on pourra faire des trucs. Sinon, mes troupes, on est parés. Donc, on a quelqu'un ici. Il y a de quoi récupérer un peu de monde. Hein. On va récupérer ça. Ça. L'idée, c'est de manger un peu la Phrygie. Est-ce que ça se tente? J'ai envie de dire oui. Eux, ils sont en guerre contre eux. Ils sont en guerre contre l'Albanie. Ce pied est en guerre. L'Empire Perse est en guerre contre l'Albanie. L'Égypte. Alors on pourrait faire alliance avec l'Égypte. L'Égypte viendra aussi. L'Égypte viendra aussi. Donc ouais, on va faire ça. On va exploser la Phrygie. L'Égypte, c'est vraiment une alliance d'opportune.
ou d'opportunité, d'opportunisme, comme vous voulez. C'est juste pour exploser la Phrygie. On va manger la Phrygie. Alors, on n'a pas énormément de revendications, c'est un peu le problème. J'ai pas envie d'attendre trop longtemps non plus. Est-ce qu'on peut déclarer la guerre? L'Égypte viendrait, oui. Et on va dire contre donc la province de Mysie. Ça, on la récupère directement, la province de Mysie. On dit l'Égypte, Cyrénaïque et Chersonèse de venir. Et là, là, il peut avoir 100 cohortes. Nous, on en a combien? On en a quelques-unes aussi. On est où? On est où? Ça, ce sont les pays voisins, oui, c'est pas nous. Allez, on est parti. On est... Boum, parti. Alors. Honorer l'alliance. D'accord. Honorer notre alliance et honorer notre alliance. Parfait. Donc là, ça va lui faire très très mal à la Phrygie. Donc on va aller chercher ça. Toi, tu vas aller chercher ça. Toi. On va pouvoir récupérer ça au passage. C'est parfait. Là, on va récupérer toi. Attends, on va te faire tomber déjà. Ah, t'es revenu. Les plaines. Hop, voilà, allez. Qu'est-ce qui se passe au-dessus? Bon, il y a deux troupes ici, c'est pas un gros problème. Ça, ça tombe. Il faut qu'on récupère toutes ces machins-là. C'est parfait. Eux devraient tomber assez rapidement. Toi. Toi, tu vas aller me chercher ça directement. Et normalement, Chersonèse, vous n'êtes pas encore en train de bouger? Non, ils vont bouger bientôt, je pense. Ça, c'est fait. Toi, tu vas venir là. Ah. Il faudrait que ça passe. Il y a du monde en face quand même, là. Allez, on est bon. Normalement, il paye en face. On est moins bon au niveau du moral. On est en train de prendre cher, là. Non, c'est bon. Leurs flancs sont tombés, donc tant qu'on a la supériorité des flancs, c'est bon. Tant qu'on a la supériorité des flancs, normalement... Ouf, des ânes. Ça, c'est bon. A priori, on peut dégommer 2-3 ânes. On va faire ça ici. Eux, ils vont essayer de venir. Siège remporté, ça c'est parfait. Toi, tu vas venir là. On est en guerre contre eux. Tout ça, oui. Toi, tu récupères ça aussi. Hop là. Alors ici, ça se balade un peu, mais c'est pas très grave. Normalement, il y a toi. Tu viens d'où, toi? Andros. Ah, mais c'est l'Egypte, oui. Donc, eux, lui, il devrait se défendre. Lui est en marche. Ça passe. Eux, ils vont commencer à arriver. Bientôt. Donc, pour l'instant, ça paraît assez tendu, mais en fait, non. En fait, ça va. Si, ça va tomber. Bon, il y a du monde, hein, mais on en a quand même dégagé quelques-uns. Kos. Ouais. Construction. Le 8 avril, ça va arrêter aussi. Oui, ça c'est bon. Donc dès qu'on a cette zone là, on va pouvoir commencer à gagner des points. Toi tu vas venir là directement. Tu viens là. Toi, tu vas faire la côte. Parce que ça, c'est quoi? C'est comme ça. Tu vas nous récupérer tout ça. Elle est où, là?
Ah, c'était ça la capitale de la région. D'accord. Quand t'arrives, tout nous récupère tout ça. Eux, ils commencent à arriver, c'est parfait. Toi, ici. Tu vas aller me chercher ça directement. Parce qu'il n'y a plus qu'une personne ici, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Bon, il va falloir micromanager un peu. Mais normalement... Voilà, eux devraient commencer à attaquer là. Ça devrait être pas mal. Progrès de la maladie. Est tombée gravement malade. Ah mince, sa maladie, autrefois un peu grave encore, devint de plus en plus inquiétante. S'il ne reçoit pas un traitement, son état ne pourra faire qu'empirer encore. Il perd le train d'inflammation et il prend maladie pulmonaire. Ah mince. Quelle tristesse. Du coup, attends, il me semble que normalement on peut chercher un traitement. Toi, chercher un traitement, on perd 200. Ah, on perd 200. Trouver un traitement. Voilà. Que c'est quand même l'héritier. Ce serait dommage de le perdre là-dessus. C'est bon, il n'y a pas de fort. D'accord, il y a très peu de forts en fait en Phrygie. Ça, c'est pas toujours terrible. Le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de forts, ça peut poser quelques petits soucis. Dans le sens où c'est déjà plus long à récupérer toutes les régions. Il y a un fort là. Et là, nous, on va mourir. Voilà, donc toi, t'es mort. Ils sont allés en mode sac là-dessus. Alors ça, c'est pas très grave. Nous, on engrange des points. Tant qu'on tient la zone ici, on gagne des points. Succès du traitement, parfait. Magnifique. Alors, toi... C'est bien. En plus, ils vont venir m'attaquer en montagne. Ça, c'était parfait. Victoire. Les réformés de Hagiad. Ça fait longtemps, j'imagine, que l'on débat de la situation difficile des opprimés par rapport à leurs obligations envers l'armée. La politique d'exclusion menée jusqu'à présent, en dehors de ces périodes de grands besoins, se traduit désormais par un grave retard par rapport à d'autres pays. Dans les questions militaires, nous avons ainsi appris que de grandes réformes ont été engagées en Célinonte, portées par les élites et le peuple, qui ont permis un changement profond de l'organisation militaire célinontine. Diazienis Hagiad, un homme animé par un véritable esprit stratégique, est persuadé que nous tirerions un grand avantage à adopter une approche semblable, même si le prix à payer pour cela peut être éludé. Réforme de l'armée jusqu'en 91, pendant 20 ans. Un peu plus d'agitation dans le pays, mais plus de morale des armées, vitesse de recouvrement des effectifs, et on gagne 80 en score d'influence politique. Ça peut être pas mal, parce que l'agitation, on n'a pas trop... pas qu'on n'a pas besoin de l'agitation, mais on est plutôt ok là-dessus. Alors, on va commencer à aller chercher ça ici. Toi. Victoire. Donc ça, c'était ici, d'accord. Implacable, la persévérance et la résolution inflexible de Diazienis Hagiad sont presque devenus légendaires. Il semble que jamais rien ne peut le faire fléchir. Alors, attendez, parce que là, on est en train de récupérer ça. Donc ça fait plaisir. Toi, t'es parti vers là-bas.
Toi, tu vas où? Machin arrivera à Bitignon le 23 juin. Arrivera à Kyros. Toi, tu vas où? Tu vas à Kyros. Non, non, mais reste là en fait. Qui vient nous attaquer dans les montagnes, dans les collines. Quoi, c'est montagne, colline. Ligue des Nésiotes. On a quelqu'un qui est emprisonné là-bas. Il va falloir qu'on aille défoncer tout ça. Alors toi, du coup, on va pouvoir aller essayer de récupérer ça. Ça serait pas mal. Même si niveau... Tu vas revenir là. Même si niveau... Comment... Alors, qu'est-ce que je veux dire? Niveau nourriture, il nous faudrait autre chose quand même. La capitale est là. Attendons. Non, tu vas aller là. Tu vas aller me chercher la capitale là-bas directement. Là, il y a du monde, on le sait. Alors, ici... Ici, c'est en train de siéger, c'est parfait. Toi, tu vas aller là. Ligue des Nésiotes. On va même pouvoir aller défoncer les Nésiotes, en fait. Pourquoi pas? C'est pas leur capitale, elle est où leur capitale, les Nésiotes? Elle est là, non? On sait pas. On sait pas, on sait pas. Tout ça, ça se passe bien. Bon, le reste, ça va. Chersonèse, ça commence à arriver ou qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font eux en fait? On sait pas. Mais c'est vrai que toi t'étais là depuis tout à l'heure en fait. Bah tu vas commencer à revenir par là et à me récupérer. Donc ça, cette zone là. Tu vas commencer à venir me récupérer ça. Tu peux récupérer ça plutôt, directement. Kifor ici, ça peut faire du bien. Récupérer deux régions d'un coup. Ça et ça. Pourquoi pas. Stabilité croissante, on s'en doute. Toi, tu vas aller me chercher ça. Non, on va aller chercher ça d'abord. C'est important. Toi, tu vas me récupérer ça aussi. D'accord. Donc, on a capturé quelqu'un. Ça fait plaisir. Alors, eux, non. Eux, ils vont commencer à me faire perdre mon avantage. Et je suis pas d'accord. Ça va pas le faire, ça. Ils sont rigolos, ils remontent. Mais on va pas être copains. Ce serait bien, par contre, que... C'est vrai qu'on a... on s'est fait dégommer une armée. C'est vrai, on s'est fait dégommer une armée. Ici, c'est parce qu'on a récupéré ça. On va aller jusque là. Là il se passe rien, eux ils sont bloqués. Ça... Il n'y a pas de fort ici, donc une fois que ça se sera tombé, ce sera bon. Ça c'est l'Egypte qui va récupérer ça, donc après il faudra juste se friter un peu avec l'Egypte. C'est pas un problème. Et ouais, toi tu vas faire tomber ça et puis on va revenir vers là et essayer de s'occuper de tous ces petits rigolos là. Parce que ça commence à bien faire. D'accord, donc lui il a rien compris, il est parti directement sur le fort, c'est parfait. Ouais. Démocritos. Non, toi on va te garder pour les Jeux Olympiques. Ça fait que toi t'es pas top, mais en même temps, lui. Ouais, c'était quand même pour les revenus fiscaux. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Bon, là, il y a du monde.
Mais l'Égypte est là. Ça fait plaisir déjà. Donc l'Égypte commence à comment prendre des territoires. Toi, on a dit que tu t'occupais de ça. Alors nous, faut impérativement qu'on récupère un maximum de territoires le long de la côte. Ce serait même bien si on pouvait aller jusque là-bas. Celle-là, on l'aurait ici. J'ai fait ma revendication sur cette zone-là, donc il faudrait que je récupère ça aussi. Toi, c'est fait. Tu vas aller là. Donc là, c'est fait. On a récupéré. Tu iras là, là, là. Récupérer. Il faut... suffit juste de récupérer ça. Et ça l'emmerde l'autre. Ce qui est parfait. Ah oui, il prend très cher. Victoire. Ça, c'est parfait. On va revenir vers ici. Eux, ils ont décidé de venir m'attaquer, non? Peut-on essayer de... Non, allez là, allez là, allez là, allez là. Voilà. C'est trop tard pour vous. Hop, donc ça, on les tue. Il y a peut-être moyen qu'on arrive... Ouais, on devrait être à temps pour récupérer, pour aider l'Égypte. Hop. Allez, tiens bon. Voilà. Là, t'as mal en face. Le siège est tombé. Donc, on parlait de celui-là, oui. Donc, si toi, t'as fait tomber ton siège ici... cette zone-là, on l'a déjà. Cette zone-là, ça va être ça et ça. D'accord. Peut-être on va faire toute la côte. Je peux pas me priver. Bah zou. Et hop, toi t'avances. Ah, faut passer par là. Ça c'est infranchissable. Ah ouais. Oh non, bah tu vas t'occuper de ces sièges, de ces... de ça alors. Ça peut être sympa ça. Donc toi tu viens là. Qu'est-ce qu'on a là? On a lui. Tu vas aller me chercher ça quand même, ce sera important. Ça on va la gagner. Voilà. Ils arrivent dessus quand même. Il fait que de tomber à malade lui. Il chope quoi? Reçoit une infection, mais je vais pas passer 200... Enfin, pas le soigner à chaque fois non plus. Il est gentil, mais... chercher un traitement. Ah, le fils... Ça va commencer à se... Ça a commencé à se voir qu'il est mauvais. Voilà, donc eux sont morts. Nous, qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait? On a dit qu'on pourrait aller chercher ce truc-là quand même. Ce serait pas mal. Vu qu'on leur a fait bien mal. Toi, t'es parti vers là-bas. Qui c'est qui manque de pain? La deuxième Stratos qui manque un peu de pain. Ouais, du coup, non. Du coup, tu vas aller là. Je vais me récupérer ça surtout. Toi tu remontes ici. Toi t'es en train de récupérer ça, c'est parfait. On passe ici. On a 29. Nous on va aller tenter le siège là-bas. Et alors maintenant si on regarde négociation de paix. Ils sont déjà en moyen. Donc on aurait ça, on aurait ça. Ah, il me manque ça. Je voudrais ça. Je vais vouloir ça. Ça. Oui. 30 quand même. D'expansion agressive. Ouh, ça va monter très vite. Si je prends ça aussi. Donc après, Kotiora et Serasont, on peut les ouvrir assez facilement. Ça c'est 33, 45. Là, moins 23. Ça va être faisable. Hein. Ça va être faisable assez rapidement. Faudrait qu'on récupère ça. Il faut juste qu'on continue de leur faire mal. Où sont passés? Ah voilà, mais eux ils sont là. Ils se font plaisir aussi. C'est vrai que d'avoir ça, ça va nous aider au niveau du score. 21 000.
Dabira. C'est juste pour avoir plus de score là. Ça, c'est tombé. Ah. C'est embêtant là à faire des bêtises. Vous allez venir là. Il faudrait que tu me récupères ce siège en fait. Il faudrait que tu arrives par là surtout. Désaccord au sommet. Le con Tessiclide, pourtant homme de bonne réputation, et Dikaios Magide, réputé pour sa grande vertu, ont commencé à se disputer violemment lors de la dernière assemblée de la cour. Un tel comportement chez des personnages de ce rang est parfaitement inapproprié. Malgré tout, il nous a été demandé de trancher leur conflit. Toi, tu m'aimes bien, Tessiclide, et toi, Magide. Les Magides, ils font pas partie d'une famille. Non, en particulier. Donc en fait, t'es quoi en fait? T'es gouverneur de Thrace. Ça te fait passer à 35. Ouais non, ça c'est plutôt pas mal. On sera amis avec, avec le gars de la famille d'à côté. Et toi tu vas mourir. Voilà, donc victoire. Victoire, victoire. On va rester là un petit peu. Pour récupérer une cité plutôt. Toi, t'es en train de revenir vers là-bas, c'est parfait. Lui, il est là. Alors, il n'y a pas grand-chose à récupérer ici. Là non plus. Là, ça va bientôt. Le fort va bientôt tomber. Si on repart sur la négociation de paix, on est à moins 2, donc on pourrait déjà récupérer tout ça, sauf que moi je veux ça en plus. Pour me faire passer à 33. J'ai des revendications là-dessus. Autant récupérer ça. Et Samos. Bon, on va aller chercher ça, ce sera plus simple. Voilà. Alors, le siège est tombé, donc ça, ça nous fait des points. Beaucoup, beaucoup de points. Ici, on va pas avoir grand-chose, c'est dommage. Mais ça va nous coûter... ça risque de nous coûter un peu trop cher. Après, c'est l'expansion agressive, on va passer à 50 déjà. Donc ça va être violent. L'Égypte qui s'éclate là-bas. L'Égypte qui s'éclate là-bas, et il faudra manger ces deux-là d'un coup pour qu'on puisse passer. Et après, bon, cette partie-là, c'est vraiment pas un problème. La Phrygie, une fois que la Phrygie là va avoir mal, ce sera pas mal. On sera bien. On aura mangé une grosse partie de la Phrygie. Oui, toi, je t'ai dit d'aller là en fait. Va aller là. Bon, ils se regroupent ici, ils essayent de siéger un peu ce qu'ils avaient de ce côté-là, c'est pas un gros problème. Nous, on va aller chercher ça. Ah, le fort est là, le fort n'est pas là-bas, d'accord. Perle trait infection, magnifique. Il était peut-être temps quand même. Hop, et tu vas surtout aller me chercher ça. Samos, ça va être important. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Tu t'es cru où? Ah voilà. Eh, quand il y a des renforts, tout de suite, ça rigole moins. Ah. Je vois un petit truc qui est embêtant. Je vois un petit truc qui est très très embêtant. Faudrait que je récupère ça. J'ai juste envie de récupérer ça d'abord. Voilà, on va remonter là direct, parce que je le sens pas l'autre là-bas.
Ah, ça se rebiffe un peu quand même. Accepter. Accepter aussi. Paix imminente. D'accord, 5 jours se sont pour l'instant écoulés. Bon, après, on pourrait récupérer le trait victoire totale, mais c'est pas très grave. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, lui, il va aller là. Je le savais. Il est gros comme une montagne. Par contre, ça, il est tombé très très rapidement, ce fort. On va juste récupérer ça au passage. Et là, on peut aller récupérer ça direct. Lui, s'éclate. Je me demande hein, si je peux pas le faire tenir encore un tout petit peu. Ouais, mais non, là, c'est Chironaise. Alors, filez ça à Chironaise. Hein. Parce que si je veux... Ouais. Parce qu'il faudrait pouvoir... Oh, il serait d'accord. Ah oui, oh, bah oui, je vais lui filer ça, alors. Direct. Je lui file direct. Ah non, mais ça va être parfait, là. On va tenir... Hop, bah voilà, non mais, attends, toi, tu peux aller là s'il te plaît, voilà merci, faut qu'on récupère ça, parce que je vais pas me laisser prendre ça. Ça va aller 5 minutes. Ouais, non mais, tu vas là? Victoire, bah ouais, on a gagné, ça faut que ça tombe. Et après Chironaise, on te file ça. Ça va être parfait. Si tu veux récupérer ça, bon, ça va faire pas mal de... Mais non, ça devrait être bon quand même. 104 jours pour l'instant écoulés, c'est 1085 jours. Non, on va pas attendre les 1085 jours. Loin de là, on n'en a pas besoin. Ça, une fois que c'est tombé, c'est bon. On pourra négocier l'arrêt des combats. On vérifie qu'on a tout ici. Oui. Toi, t'es parti sur ce fort-là. Et du coup, ça va me permettre de récupérer tout le territoire que je voulais. Samos, voilà. Alors, t'en es où, toi? Ouais, tu veux essayer ça? Essayons ça. Parce qu'il n'y en a pas pour long. Ah oui, il se prend deux armées sur la tête. Allez, hop, hop, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Plus vite que ça. Alors. Ça s'est retombé, d'accord. Zoom. Ça s'est tombé, oui. Alors, négociation de paix. Donc on a dit que nous on prenait tout ça. On l'a pu ça. Pourquoi? Pourquoi? Attendez, parce que... Ça, c'est bon. Négociation de paix. Reprends. Alors, je veux ça. 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 Ça, on avait dit. On avait dit ça aussi. On avait dit ça aussi. Il y a une forteresse ici. D'accord. Bon, bah, il va falloir qu'on aille chercher la forteresse. Petite forteresse, toi, tu vas me chercher une forteresse ici. C'est embêtant. C'est embêtant. Écoute, on va te rapatrier ici. 51 000 ici, il y a moyen. Alors si ça tombe pas... Ouais non, ça va tomber. C'est sûr que ça tombe. Siège remporté là-bas. Donc ça, ce sont des points. Ce sont des points. On peut même aller siéger ça si on veut. Ça, ce sont des points que l'on remporte à chaque fois. Et là, il faut surtout qu'on aille chercher ce siège. Très important. Sinon, on ne peut pas faire grand-chose. Mais la Phrygie est en train de... Lentement mais doucement mourir. Enfin lentement et doucement, oui. Lentement, doucement, mais sûrement mourir.
là, celui-là, il va tomber. Mais ça me permettrait en fait de bien faire mal à ces armées-là. On a perdu ce siège-là, mais toi... On pourrait essayer de te faire mal. C'est l'idée en fait. Ah oui, t'as eu très très mal. Alors, déploiement très approximatif, hein, mettre les archers comme ça ici, bon, on voit que ça fait quand même le taf. Eux, ils vont se jeter dessus comme des ânes. Voilà. Alors, il s'est passé 2-3 trucs. L'héritage d'Alexandre persiste, cité gréco-perse. L'héritage d'Alexandre persiste en ligue péloponnésienne, tandis que les nombreuses cités où se mêlent grecs et perses cherchent toujours à trouver la manière de traiter des différences culturelles et religieuses parmi leurs habitants. Un cas particulièrement problématique a été rapporté à Epidauros Limera, où la population hellénistique et la population perse refusent d'avoir la moindre relation entre elles. C'est où ça? Ah, Epidauros Limera. Epidauros Limera, c'est là. D'accord. Si nous cherchions à tout faire pour tenter de régler ce problème, peut-être cela pourrait-il constituer un exemple à suivre pour l'avenir pour d'autres cités connaissant les mêmes difficultés. Et donc, Epidauros Limera a réglé la question, donc on perd 15 en influence politique, on peut se le permettre, on en a un peu quand même. Ligue péloponnésienne, machin, satisfaction d'inadéquation de la sphère culturelle, plus 0,5% pendant 10 ans. C'est pas énorme, mais c'est pas mal. Et c'est mieux que ça. Donc on va faire ça. Alors, attendez, parce que... Là, ça commence à être... pas tendu, mais il faut faire attention à ce qui se passe. Toi, t'es là, tu vas pouvoir nous gagner ça. Celui-là. On va l'envoyer vers ici, parce qu'on a besoin qu'il reste là au cas où. Toi, tu vas aller nous chercher ce fort-là, c'est parfait. Ici, il se passe des trucs, on est surtout en train d'essayer de récupérer tout ça, donc c'est pas mal. Ça, tu vas mourir. D'accord. J'ai même quasiment pas besoin de faire ce siège, en fait. Là, c'est surtout que j'ai tout ce qu'il me faut ici. Eux, ils font le taf. Voilà, c'est ça que je voulais éviter. Bon, même si là, on n'en a pas forcément besoin. C'est juste ce fort-là qui est embêtant. Et alors, oui, présage. On va continuer avec notre évolution mensuelle de l'expansion agressive. Oui. Parce qu'elle a bien diminué. Et on va en récupérer un petit peu, là. Ça, 284 jours, on s'en fout. Une tâche. Reconquête hellénistique. Déjà... Déjà contourné. D'accord, accord avec les barbares. Ah, c'est ça. Trésor de moins 50. Accord avec les barbares. Alors, accord avec les barbares, études de marché, Antigonos, des Ctesiclides organisent régulièrement des expéditions marchandes pour étudier diverses cités barbares et évaluer leur valeur et la... Et l'affabilité de leur souverain. Laissons le faire. Laissons le faire. Voilà. C'est eux qu'on attend pour aller jusque là. C'est vraiment... Il n'y a que ça qui me bloque là pour l'instant. Parce que ça, ça devrait pouvoir tomber assez rapidement en fait. Phrygie, la paix. Ah bon. 130 cordes. Ah oui, t'as plus d'hommes en fait. Tu peux plus ravitailler, t'as plus beaucoup de trésors. Et ouais, c'est la fin de la Phrygie. Donc la Phrygie n'est pas imbattable. Il suffit de faire ce qu'on a fait. Ouh, qu'est-ce que c'est ça? L'Albanie. L'Albanie qui s'éclate avec l'Empire Perse par contre. Mais oui, en fait, il suffit de l'attaquer un peu de tous les côtés et la Phrygie explose. Parce que c'est comme dans tous les pays en fait. Si vous êtes attaqué de tous les côtés, vous allez avoir du mal à vous défendre. Ça va être très très difficile. 631 pour Tiras. Alors on continue. Ça c'est qui? C'est Chersonèse.
Oui, mais ils font ce qu'ils veulent en fait. Pas très grave ça. 0%, ça devrait tomber assez rapidement. En parlant de tomber assez rapidement, on va juste aller récupérer notre truc ici. Donc c'est pas passé grand chose en fait dans cette zone là. On a toujours ce terrain là, ce qui est parfait. On pourrait essayer de lui dire bonjour à lui. Pour rigoler. Parce que là on a de moins en moins d'expansion agressive. Du coup, pourquoi ne pas essayer d'en profiter et de réclamer un maximum de territoire. Genre toute cette zone là. Ça serait un peu violent, mais ça, plus celui-là, et ici c'est quoi? Ça va être chersonnaise, donc non, ça va pas le faire. C'est dommage, mais c'est pas très très grave. Par contre, on peut récupérer un peu de terrain ici. On va voir ce que ça donne. Oui, ils sont un peu en train de subir. Alors, accord avec les barbares, port du pont Toxin. Les marchands envoyés par Antigonos sont rentrés avec une liste de ports que nous pourrions acheter pour faire usage. Il est aussi indiqué que nous pourrions proposer à leur possesseur actuel. Il est ainsi indiqué ce que nous pourrions proposer à leurs possesseurs actuels afin d'éveiller leur curiosité au cas où cela serait possible. Cela n'en vaut pas la peine, et là on paye machin, et les chances que cela soit accepté dépendent du charisme d'Antigonos. Il est pas mort en fait. Hein? Attends, l'autre il est parti. Donc il organise. Attendez que je récapitule un peu. Cet homme-là, Antigonos, organise une expédition pour aller convaincre les barbares. Sauf qu'on est en 573 et il est mort en 545. De surmenage. Mais à part ça, ça va. Il les a envoyés, il est content. Il est balèze le mec, il est super balèze. Charisme, c'est pas ouf par contre. Il est probable que ce soit accepté. Bon, on dit oui quand même. Donc eux ils continuent, ça c'est bon. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc toi t'es en train de faire ton siège. Là on a 2-3 personnes qui sont ici, mais c'est pas grave. Toi t'es bientôt arrivé à ce fort là. Une fois que le fort est tombé, on va pouvoir faire la paix. Alors, les marchands dépêchés par Antigonos, donc il y a 250 ans qu'il les a dépêchés. Il y a quand même 30 ans, hein, que 28 ans que les mecs qu'il organisait cette expédition. Il était temps. Il est quoi? Il est Xayatia de Colchide dans les prés, même. Alors, les marchands envoyés par Antigonos pour négocier avec Colchide sont rentrés en affirmant que Barbare Hydarnes acceptait notre offre. Nous avons déjà fait envoyer la somme promise avec un groupe de magistrats qui veilleront administrer Gienos sous autorité péléponisienne. Oh. Et c'est Abibi ça maintenant? Ça, c'est Abibi ça maintenant. Toi t'es quoi? T'es monarchie autocratique. Bon, tu m'aimes pas des masses. Mais je pense qu'il y aura moyen de faire quelque chose ici. Il va nous falloir quelqu'un. 35 ans à 9, c'est pas mal. Allez. Ah mais c'est Démocritos. Spartokide. L'enfant de Sparte. Qui lui nous gagne des Jeux Olympiques. Donc non. Si on fait ça, commerce dans la province, moins 5%, c'est pas top. Mais on va t'envoyer quand même toi.
Allez, plus que ça. Faut juste pas que ça, ça tombe. Quoique là, il y a un fort, donc ça tiendrait encore. Hop. Ouais, bah ouais, toi tu vas mourir. Oh, il a laissé passer. Vite, vite, vite. Quoi, il a fait la paix? Non, c'est bien ce qu'il me pensait. C'est bien ce que je pensais. J'ai eu peur un moment que machin se soit barré de la guerre. Même si on gagne largement, donc. Allez, meurs. Voilà. Endurci au combat, il est véritablement invincible. Tu m'étonnes. Et donc, on va aller récupérer ça. Parce que là, il y a moyen de rigoler. Ça va faire mal au niveau expansion agressive, ça va être violent. Non, là, les copains. Là, par contre, on va pas être d'accord. Si vous venez me piquer les terrains qu'il me faut, là, on va vraiment, vraiment, vraiment pas être d'accord. C'était quel siège? Celui-là, d'accord. Donc ça, c'est tenu par l'Égypte. Alors l'Égypte, on lui filera que dalle, là. Mais toi, tu vas revenir vers là. Et là, ça, il va nous falloir ça, impérativement. Hop. Est-ce qu'on peut t'avoir, toi? Ouais, on va pouvoir t'avoir quand même avant que tu repartes et que tu foutes le dawa. Ça, ça va tomber. Jeux Olympiques. Jeux Olympiques. Olympique. Ah, Glocka, c'est pas mauvais non plus. 8, 7, 9, 3. Mais là, on a 8, 9, 8, 5 quand même. Ah. Démocritos. Mon petit gars, tu vas aller me gagner Jeux Olympiques encore une fois. Et a priori, c'est un peu devenu ton truc. Ton gros kiff. Ça, c'est fait. Alors, c'est... dès que ça tombe, ça... Voilà, siège remporté. Donc, normalement, ici... On va quand même aller les poutrer parce que c'est rigolo. Voilà. Alors, avant de faire ça... personnage. Affiché personnage. Emprisonné. Qui est emprisonné? Ces gens-là. Toi, on va te vendre comme esclave. Pas de petit profit. Et toi, on peut pas. Toi, on vend comme esclave aussi. Pas de petit profit. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant. Paix. Négociation. Ici. Ah, c'est vrai qu'on pourrait demander ça, sauf que j'ai pas si... Non, j'ai pas cette version-là, donc attendez. Reprendre. Alors, on va vouloir ça. Cette zone-là. Cette zone-là, bien évidemment. On va leur refiler ça. Quelle forteresse? La forteresse de Rizéion doit être occupée pour être... Elle est où la forteresse de Rizéion? Elle est là. Ils l'ont pas récupérée. Attends, on va aller voir ça quand même. Négocier la paix. Donc on aurait ça. On est déjà à 38. Ah, ça fait mal. Ça fait très très mal. Si je veux ça en plus, on passe à 44. Et alors après, c'est... Après, c'est l'orgie. Alors on peut faire ça, mais ça nous fait 78 d'expansion agressive. Ça commence à faire beaucoup. Je crois qu'on va être d'accord. Ça commence à faire beaucoup. Mais non, si je pouvais récupérer juste ces terrains-là, ce serait parfait. Attendez, reprendre. On va faire... Ça, parce que je les ai, ils sont à moi. 38. Du coup, on n'aurait pas celle-là, quoi. Celle-là, c'est quand même 144. C'était quoi ça? C'est Yoni.
Yoni, 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 Asie, non, Mizi, non. C'est où? Colchic, non. Non, c'est... on le veut, ça. Bah alors? Colchi, non. En Abitini, on veut. Colchi, on connaît. Ça, on veut aussi. Capitale de Yoni. Bon, attendez, parce que... décidément, il a quelques problèmes. On a dit ça, on veut ça. On veut ça, on veut ça. Ouais. Bon, bah toi, tu vas aller me faire tomber ce fort, parce qu'il n'y a plus que ça à faire. L'avantage, c'est que toi, tu vas devoir venir ici. On va s'occuper de tout ça. Toi, on peut aller te chercher là. Bon, il reste... ça va, on est encore large à ce niveau-là. Lui, il peut même pas siéger ce truc-là. La honte. On peut le dégager, lui, par contre. Pas une mauvaise chose. Mais là, on continue le carpet sieging. Hop, 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 toi. Tu vas où? Agitation des prêtres. Le hiérophante Hermias Euryclide a clairement fait savoir aux prêtres qu'il ne pouvait tolérer plus longtemps l'impiété de Thorion de Hagiad. Mais sans leur soutien, le peuple va commencer à se persuader que celui-ci n'a plus le soutien des dieux et qu'il serait un rude coup porté et que ce qui serait un rude coup porté à la légitimité du Basilius. Ça va bien. Laissons-le donc geindre. On perd 5 en légitimité. Pas ouf. 316. 317. Ouais, bon, c'est pas grave. On va gagner un peu de sous. Qu'est-ce que je voulais voir? Oui. Niveau de ta famille, toi. T'as un fils, une fille? Est-ce qu'elle est enceinte? Pas encore. Bah alors, qu'est-ce que vous attendez? L'avantage, c'est qu'on a une fille, donc on va pouvoir la marier. Clôture des Jeux Olympiques. On n'a pas gagné. C'est-à-dire qu'il était pas mauvais, lui, en plus. 6, 9, 6, 10. Ouais, c'est loin d'être trop crade. Toi, t'es en train de nous faire ça. Toi, t'es là. Normalement, on devrait pouvoir te défoncer. Même si on part à traverser une rivière plus forêt. C'est pas ouf. Mais bon. On a la max. Il est conquérant. Non, on a récupéré des titres. Ah voilà. Ah, c'est pareil. Ça, ça va tomber. Voilà, ça c'est fait. Ce qui serait bien, c'est que là on s'occupe d'eux. J'ai pas envie qu'ils viennent semer le trouble là-bas. Donc toi, ça va. Toi, tu t'es occupé de tout ça. Nous, on est en train de faire tomber ça. Ça, ça va tomber assez rapidement. Si c'est à moi, je le file à l'autre. Aucun problème là-dessus. Même si j'ai une revendication. Hein. Ah, j'ai pas de revendication là-dessus. Ou lui, il en a une aussi. Ah, il irait grec, oui. C'était où, ça? C'était là. Donc ça, c'est tombé. Ça pourrait être rigolo de récupérer ça. Je sais pas si on a de revendications là-dessus, par contre. Mais non. Alors lui, il va commencer à m'embêter, à siéger les trucs à droite et à gauche. Par contre, toi... tu vas où? Ouais, il est parti là-bas.
Il s'est dit le tout pour le tout. Pas le temps de niaiser. Voilà, siège ici. Ça, je le file à Chersonès. Et là, normalement, 99% de score. On pourrait vraiment donner tout ce qu'on veut. On n'est même pas allé jusqu'au bout du truc. Et donc, j'ai demandé tout ça. On va donc demander ça et ça à Chersonès. 47 d'expansion agressive. C'est où ça? Ah, ça c'est à 54. Il serait quand même d'accord, hein, mais... non, on va pas pouvoir poutrer la Phrygie comme ça. Alors est-ce que je vais prendre 47 pour moi? C'est la quantité d'expansion agressive que nous allons cumuler si ce traité de paix est accepté. Défense de liberté, moins 5%. Alors est-ce que ça va tout me retourner sur la tête ou est-ce qu'on s'en prend quand même que 30? On va voir. On va faire la paix. C'est un peu dommage parce qu'il reste ça. Et ça, c'est par l'Egypte. C'était 47 contre 48. Donc pour un point, on peut lui refiler ça à l'Egypte. Je sais pas si on pourra récupérer tout ça à l'Egypte directement. D'accord. Et par contre, après... Ça, c'est qui? Ça, c'est... C'est qui port de Naxos? C'est Ligue des Nésiotes. Indépendance de la Ligue des Nésiotes. On peut dire d'accord. Je peux faire une autre indépendance. Non, EB, on est en train de refiler ça à ça. C'est qui? C'est Andros. Sauf qu'Andros, c'est... ouais, Andros, c'est ça. Indépendance. Capitaine de Knid. Est-ce qu'on peut te... Non, après, c'est trop. C'est trop, d'accord. Donc allez, hop, on est parti là-dessus. 51, donc ça va, c'est pas pire que ce que j'avais pensé. Je m'attendais à bien pire que ça. Alors, ça veut dire que maintenant, Ligue Péloponnésienne, on est quand même balèze. Ici, on en profite tout de suite pour offrir le statut de client avant qu'il change d'avis. 8. Ça, c'est parfait. Donc là, maintenant... La Ligue Péloponnésienne, c'est bon, on a fait... On a tout le tour, il nous manque ces deux-là. Cérazonte et Cortiora. Et ce sera bon. Chersonès. Pour t'intégrer en 75. Non, on peut pas... ouais, on peut pas faire ça encore. Chersonès, pour l'intégrer, ça va être rigolo aussi. Ça va mettre un peu de temps. Une tâche, alors. Bon. Abattre le Chersonès. Donc là, on a ça. C'est parfait. Tous les membres de la famille Tessiclide vont gagner 10 en loyauté. Les états des localités concernées vont recevoir. La province de Tauride reçoit un nouveau marché. Jusque machin, d'accord. Donc, hop, on fait ça. Abattre le Chersonès. La Chersonès. On l'a pas vraiment abattu, mais on l'a un peu annexé quand même. Et encore Antigonos, alors je sais pas ce qui se passe avec lui, mais ça fait longtemps qu'il est mort. Mais on l'aime bien, donc il revient tout le temps. Comme l'avait espéré Antigonos, notre expansion récente dans diverses contrées du Pont-Euxin a grandement accru notre capacité à contrôler les routes commerciales du Nord. Les anciennes colonies de Chersonès comptent parmi les plus riches de toute la région et assureront notre fortune. J'aimerais bien voir combien ça va faire à la fin du mois, ça. Alors, posséder un port sur la mer Noire rend cité
Ça, on va pouvoir le faire. Rang de cité, culture, révèle la famille hellénistique, niveau de civilisation d'au moins 40, un marché, au moins 20 pop. Donc ça, c'est sur un de ces ports-là qu'on va devoir faire ça. On aurait pu le faire ici aussi, remarquez. Ah, Émilon, mais non. Notre mère possédait au moins 10 ports. Ah, c'est juste 10 ports, c'était pas tout. Oui. Je pensais que c'était tout, moi. J'avais pas lu. Rien que chez nous, on en a combien, là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Ah oui, j'en détiens 11, rien que tout là. Ah, mais c'est pas grave, on détient tout. Presque. Si, 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 on détient tout en fait. Tous les ports surlignés sont à nous, même Colchide est à nous. Revenus commerciaux plus 15%, entretien des flottes moins 10%, ça fait plaisir. Notre expansion rapide nous place en position de dominer l'ensemble du pont Euxin et de faire de ces eaux barbares un véritable centre du monde hellénique. Nous devons poursuivre sur cette voie de manière à ce que, les ressources consacrées à acquérir toutes ces cités permettent de poursuivre les succès constatés jusqu'à présent. Elles sont désormais nôtres. Oui. S'assurer le passage... Il va falloir qu'on fasse une cité ici. Alors, ambition méotide. C'est où? Ah oui, bah ça c'est fait aussi. On va finir la mission en une guerre. Voilà la guerre, mais on va quand même la finir en une guerre. Mais j'aime bien là que l'Albanie fasse un peu mal à la Perse. Parce que c'est combien? C'est 124 cohortes, 9000 hommes. Ouais, non, l'Empire Perse c'est pas non plus la folie. Hein. Il faudrait que. Là, on va falloir manger tout ce qu'on peut et commencer à vraiment se retourner vers la Perse. Il y a moyen de rigoler. Il y a moyen de rigoler. Par contre, avant de retourner aux missions, Ligue des Nésiotes, on peut proposer une alliance. T'es pas super content. Pratique, trêve rompue. Oh, on ira les poutrer, c'est pas grave ça. C'est pas très grave. L'Arménie qu'on va pouvoir récupérer aussi assez rapidement, je pense. Il y aura ces deux-là. Alors, celui-là, est-ce que j'ai... Je n'ai rien. Donc on va faire. Fabriquer une revendication. Machinonie. On va aussi fabriquer une revendication. Est-ce que tu es quoi comme république plutocratique? Offrir le statut de feudataire, faudrait qu'on t'améliore un petit peu. Ça c'était... Ouais non, lui il aurait pas voulu. Non, mais améliorer l'opinion plus 66. Oui. Allez, améliorons l'opinion. Soyons pacifiques, dit-il après avoir défoncer la Phrygie. Colchide, tu penses quoi, toi? Ouais, t'es pas super content. Donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est fabriquer une revendication. Quoi. Province de... N'importe, en fait. C'est qui, ça? C'est Chersonèse. Tout récupérer, tout filer à Chersonèse qu'on intégrera après, comme ça eux ils seront cool. Bon, nous on a un petit port ici, pas très très grave. Attendez, on va rapatrier. Toi tu vas revenir ici, toi t'étais là-bas, c'est bien. Toi t'es là mais t'es quand même chez nous en fait. Voilà, toi t'es chez nous. Tu pourrais revenir. Je vais pas pouvoir revenir par là. Bah viens là. Ah, tu peux pas passer par là non plus, c'est vrai. Bah reste là. Qu'est-ce que tu veux? On avait quelqu'un d'autre, oui. Toi, on va t'amener... T'amener là. Il va falloir utiliser un peu les bateaux pour aller à droite et à gauche. Toi, tu vas venir là. Quoique non, toi on veut t'envoyer directement à Pella. C'est vrai qu'on a 10 mecs.
ici qui servait à rien. Vous revenez ici, on s'en occupera un peu plus tard. Donc ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Oh, on a même une tradition militaire qui vient d'arriver. Discipline des archers, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Morale des armées, ça c'est pas mal aussi. Entretien de la cavalerie lourde, non. Dommage infligé au navire, plus 5%, ce sera pas mal. Mais je pense qu'on va la finir, celle-là. On va finir cette séquence-là. Ça va quand même assez vite. Ça, on en a pas des masses. Il va falloir qu'on commence à... qu'on recommence à faire des revendications. Donc les Qatars, on a des revendications partout. Je crois qu'on commence à s'amuser aussi là-dessus, pour être rigolo. J'irais bien choper la Vénétie quand même. Ce serait sympa. Ah, c'est comment au niveau de la culture ça? Ouais, c'est hellénique. C'est hellénique. Eh non, c'est romain. Religion hellénique, mais c'est romain quand même. C'est très très romain. Pure romaine. Pure romain qui continue là. Carthage qui recommence à manger ça. Carthage, c'est embêtant parce que ce sont des... ce sont quand même des sacrés... c'est des éléphants. Hein. C'est ce qui me fait peur. En même temps, là, on est quand même plutôt pas mal. Et le but, c'est quand même d'essayer d'aller de ce côté-là. Genre refaire un peu l'empire d'Alexandre. C'est-à-dire qu'il faudrait aller manger l'Egypte aussi. Ah, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Et donc, on revient là. Alors ici, qu'est-ce qu'on en a? Donc, ambition méotide. Les marchands grecs se sont aventurés sur le Liman méotide durant des siècles afin d'échanger avec les Scythes ou les Scyphes vivant là et s'établir sur ses rives. Maintenant que Tanais ou Tanaïs est sous contrôle et déjà sur le point est sous notre contrôle et déjà sur le point de devenir un établissement hellénique florissant, l'influence grecque dans ces régions éloignées est assurée. Un jour, l'ensemble de la côte sera grecque. Ça l'est déjà. Ça l'est déjà, ça l'est déjà. Oui, ça c'est bien. Contacter les colonies. Donc, tous les états grecs indépendants ayant moins de 5 localités sur les côtes de la mer Noire. Tous les états grecs indépendants ayant moins de... voilà. Peut permettre de gagner un feu d'artère hellénique. Hein? Faisons ça. Contactez les colonies, émissaires helléniques. Nous sommes en position d'étendre notre influence sur les autres colonies du Pontoxin établies dans la région par le passé. Nous pouvons compter sur Antigonocte et Cyclide pour donner un avis honnête. Alors c'est pareil, lui il est mort il y a quand même 30 ans. Mais il va nous donner un avis honnête sur les diverses opportunités qui s'offrent à nous. Nos intérêts s'alignent parfaitement. Tu m'étonnes. Donc ça, on commence. Et patrouille sur le Pontoxin. Bon, c'est pas du tout ce que c'est que la condition, mais c'est pas grave. Patrouille sur le Pontoxin. Notre réseau maritime en plein développement nécessite une flotte dynamique capable de défendre les marchands face aux attaques, aux pillards et à nos rivaux. Nous pouvons donc maintenant décider d'une spécialisation pour les escadres afin de privilégier la rapidité ou la survie. Nous en ferons une force avec laquelle nous devrons compter. Avec laquelle tous devront compter. Donc dommage subi par les navires, moins 10% pendant 20 ans. Ou sinon, vitesse de déplacement maritime, plus 15%. Ça, on va pas vraiment se friter là, donc c'est dommage. Une de ces tâches. D'accord, alors. Éradiquer les pirates, maîtriser les pirates. Donc éradiquer les pirates. Aucun arbre de pirates ne se trouve autour du Pontoxin qui ne soit tenu par des pays n'étant pas des dépendances. Actuellement, zéro. Les havres pirates sont visibles sur les cartes liées à la diplomatie, au commerce et aux marchandises, machin. Hop, voilà. Mort aux pirates. Cette tâche sera achevée le 13 mai. On va attendre un peu qu'elle soit achevée. Hein. Ça dure pas très très longtemps. C'est vrai qu'on pourra achever la mission.
Thorion est surnommé Thalassocratios. C'est bien. Puis ça pourra nous faire une autre mission. Il y a s'assurer du passage. Récompense à la localité la plus vaste aura un avantage et des colons. Il faut quoi? Il faut rendre cité au moins deux forts. Ouais, mais c'est chiant en fait. Donc non. Clairement que non. Toi. Tu vas venir là. Tu vas venir là en fait. Oula, pardon. Payer la rançon d'un captif. Ah ouais, non, mais faut qu'il aille se toucher aussi. Voilà. Alors, comment ça se passe dans le pays? C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal aussi. L'agitation est bonne. Étonnamment. Ah, lui, c'est loyal. Lui, il est pas super loyal. On est comment? Là, c'est conversion culturelle. Mais ça me va. Conversion culturelle partout. C'est parfait, ça. C'est parfait, c'est parfait. Bon, c'est un peu... Ça descend un petit peu, là, parce que c'est pas la même culture, et c'est surtout que... on se tape quand même 50 d'expansion agressive, donc ce qui va redescendre assez rapidement, mais là, on va devoir faire une petite pause pendant 5 minutes. Avant de retourner attaquer des trucs. Lancer l'intégration en 585, dans 10 ans. Va falloir la lancer assez rapidement. Va falloir la lancer assez rapidement. Alors comment ça se passe ici? Est-ce qu'on peut faire des revendications? Où est-ce qu'on peut faire des revendications? Parce que j'ai pas mal de points. On en perd 0,6 par mois. Alors déjà, petit cochon. Voilà. Le rite va coûter plus 3 de tyrannie. Par contre, lassitude de guerre, on perd 0,04 par mois. Ça va, ça va, ça va. Il y a pire. Ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on pourrait importer ici? On peut importer tout ce qu'on veut. À part les pierres précieuses. C'est dommage. Parce que c'est un peu ce qu'il nous faudrait. Du sel. Importer du sel, ça nous ferait... Entretien des armées, moins 5%. Eh ben ouais. Eh ben oui, Bosphore. Zou. Entretien des armées, moins 5%. On fait plus 33 au mois. Et ben peut-être qu'on va pouvoir commencer à s'occuper un tout petit peu de la technologie. Même si ça va commencer à coûter assez cher. Genre très cher. Armée en exil, oui, il est en train de revenir. Et donc là on est bien. Par contre du coup, je regarde un truc, mais diplomatie. Ah, on est à 5. Égypte, Cyrénaïque, Tiras, Thrace, Chersonèse. Ah bah voilà. Bah non, l'Arcananie. Comment ça l'Arcananie n'est pas encore... D'accord. Contacter les colonies, gouvernement grec. Nos marchands sont entrés des colonies helléniques indépendantes du Pontoxin après les avoir évaluées. Nous devons élaborer notre offre avec sagesse en prenant en compte nos accords précédents et l'importance relative de chacune. Alors, c'est vrai qu'on a ça. On a Cortia, Serazon. Donc Serazon, on avait dit... Que eux, ils étaient même plutôt d'accord pour venir directement, en fait, feu de la terre. À moins 76. Pourquoi? Opinion, moins 62. Ah, c'est l'expansion agressive, ça. Renonçons, c'est pas la peine. Cotura. Je suis déjà en train d'améliorer avec eux. Ça me fait que j'aurais pas besoin de... On va faire Cotura, on va voir. Est-ce qu'ils disent oui? Ici, tyrannie mensuelle, c'est bien ça. On n'en a pas forcément besoin.
Les marchands dépêchés par Antigonos Ctesiclide afin de négocier avec Kotiora sont rentrés avec l'acceptation de son archonte Alkimachos. Nous avons déjà envoyé la somme promise et en même temps, voilà, blablabla. Ils sont maintenant feu la terre. Ce qui va créer normalement un petit problème. À moins que j'ai encore rien compris à comment marche le jeu. J'ai rien compris à comment marche le jeu. Donc feu la terre ne prend pas. Voilà, état client, ça prend une relation diplomatique, feu d'Atterre, non. Donc c'est pour ça que... D'accord, très très bien. Mais écoutez, ça fait plaisir. Comme ça, eux, dans 10 ans, on pourra les intégrer relativement facilement. Lancer intégration, je pense que ce sera dans 10 ans. Toi, t'es là, t'as plus rien, ouais. Faut vraiment qu'on vienne te chercher. Toi, t'es pas mal ici. Par contre, oui, si, ça remonte aussi, c'est parfait. Alors, famille méprisée, Hippalide. Est-ce qu'on peut y mettre un petit Hippalide? On peut y mettre un petit Hippalide à 16 ans, mais il est pas mal, lui. 8, c'est plutôt bien. Alors, la Stratos, ouais, eux, ils ont 0. Mais on arrive, on va les chercher avec un petit bateau. Ça arrive, on va les ramener à la maison. Déclin d'expérience moins 50 pour moins 0,5, c'est bien. Ça, c'est bien aussi. Alors, oui. On disait. Moins 219. Non, ouais, eux, ils seront clairement non. Mais on est déjà en train de faire une revendication contre eux. Ça, ça va. C'est raison, donc oui, c'est raison, on améliore, mais c'est surtout à cause de l'expansion agressive. Bah, 0,30 par mois, ça devrait descendre assez rapidement. Enfin, 3 par an, faut 30 ans quand même, pour tout diminuer là, mais... c'est pas rien. Ah, va falloir se dépêcher un petit peu, c'est 575 mine de rien. Ça avance, l'Arcanani... Ça avance, ah oui. Ce que je peux faire, c'est changer ma position en... Posture dominatrice, vitesse d'intégration des dépendances, plus 0,25. Opinion des dépendances, plus 20. Et loyauté des dépendances, plus 10. Ça, c'est pas mal. Boum. Coup du changement de posture. Il est là changé une fois pendant son mandat. C'est pas très grave. Relations diplomatiques trop nombreuses. Ah. Bon, bah l'Egypte. Désolé, mais... c'était genre, c'était bien, on a rigolé, mais on va rompre l'alliance. Ouais, ils sont pas contents, mais en même temps, on s'est un peu servi de vous. Quoique j'aurais pu poutrer les Cyrénaïques. C'est vrai que j'aurais pu défoncer Cyrénaïques au passage. Tant pis. Donc ça c'est fait, alors l'Arcanani, normalement, ça devrait tomber en 584, donc dans un peu moins de 10 ans. Et Tiras, 617, donc ça avance un tout petit peu plus, c'est pas mal. Il faudra directement mettre Chersonèse, puissance locale. Alors on peut faire des innovations, coûte cher les innovations. Revenu des tribus, non. Loyauté des personnages, plus 2. Production des citoyens, production des hommes libres. Satisfaction des hommes libres, effectif, capacité de peuplement, capacité d'assaut, discipline étrière. Il y a pas mal de trucs hein, qui sont sympas. Satisfaction des hommes libres, ça peut être bien sur le long terme. Amélioration maximale d'opinion, plus 20%. Ça pourrait être utile. On va attendre un petit peu. Pas très grave. Comment ça se passe au niveau des décisions? Ça, on peut toujours proclamer ça. Monarchie, fonder un empire. Nombre possédé de 600. On est à 317, 318. Mais c'est fait, faut qu'on récupère ça aussi. J'avais zappé. Commencer au niveau...
Ça, c'est hellénique, hellénique, hellénique partout. Ça va, on a récupéré quand même pas mal de trucs helléniques. Ça, ça va se convertir assez rapidement. Ça vient de quoi? Akios, c'est encore une dépendance, c'est une... un truc de la Phrygie, ça. Il faudra qu'on s'en occupe aussi. Qu'est-ce que j'aimerais? Il y a les cathares qu'il va falloir qu'on aille récupérer. Alors là, il y a eux qui nous servent clairement à rien. Il faudrait qu'on dégage aussi. Il me verse pas grand chose en plus. Donc les Dichions, on renonce aux tribus. Voilà. Ça, ce sera fait. On pourra venir les chercher. Les cathares, ils sont toujours alliés à Rome. Et honnêtement, ce qui serait sympa de faire, c'est de revendiquer. Commencer à revendiquer sur Rome. La province de Vénétie. On va commencer à revendiquer un petit peu, histoire de rigoler, histoire de manger un peu Rome. Ça pourrait être rigolo. Parce qu'il n'y a pas de raison. Pas de raison que Rome survive. On n'est pas là pour ça. Faudrait qu'on améliore avec Trace. Plus 333, expansion agressive, moins 20. Cassius Belli à notre rencontre et guerre récemment déclarée. Vainqueur des Jeux Olympiques. Ça aide, hein, vainqueur des Jeux Olympiques. Alors, on va améliorer. On pourra les absorber d'un coup aussi. Au final, bon, c'est bien, hein, ça ramène vraiment beaucoup de... d'unité, mais c'est pas non plus la folie. Niveau civilisation. Ça c'est ravitaillement. Crise de succession en Égypte. Ah. Eh bien. Vous imaginez, hein, pour faire la conquête mondiale. Là, ça fait 125 ans qu'on a commencé à jouer sur les 230 et quelques années total. Donc on est à plus de la moitié. On est à peu près à la moitié, non. C'est faux. On est à peu près à la moitié. Non, ça fait pas 100. Si, ça fait 125 ans sur 230. Ouais, donc on est à la moitié, en fait. Un peu moins de la moitié. On a fait que ça. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on mange ça, faudrait qu'on mange ça. Et je suis... En fait, quand c'est comme ça, faut rester tout le temps... 50 d'expansion agressive, mais il vous faut un truc, il a fallu manger beaucoup plus rapidement dès le début. Donc en fait, il faut prendre la Phrygie, par exemple, et là, maintenant, il faudrait qu'on ait déjà l'Égypte, faudrait déjà qu'on ait l'Empire Perse et toute la péninsule grecque là, comme ça. Donc c'est-à-dire avoir cette zone-là, à ce niveau-là de la... du jeu, ce serait pas mal, de la campagne, ce serait pas mal. Mais là, on est bien parti quand même pour aller chercher Persépolis. Persépolis qui est loin. Il me semblait que c'était vers ici. Non? Ah si, Persépolis. Sachant qu'il faut le siéger et piller. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de le récupérer. Mais pour l'Empire d'Alexandre, réunifié. Donc il nous faudrait tout ça. Faut quand même qu'on descende en Égypte, quoi. La Phrygie, c'est gratos. Après, c'est... ouais, c'est l'Empire Séleucide. Non, l'Empire Perse, plutôt. Et il y a ce petit bout là-bas. On va aller jusqu'à Alexandroulimen. Et là aussi. Ah ouais. Du coup, je sais pas si on va s'attaquer tant que ça à Rome. Ça pourrait être sympa. Attention, je dis pas le contraire. Mais ça peut être légèrement contraignant. Alors, ce qu'on va faire,
tôt, c'est qu'on va commencer à regarder. Ouvrir une diplomatie, je veux une revendication. Donc là, on a déjà revendiqué. On va revendiquer. On revendique partout où on peut. On va essayer de revendiquer le maximum de territoire. Comme ça, la prochaine guerre, on mange beaucoup plus, beaucoup moins cher. En gros, le temps que ça soit réduit, on devrait être pas mal. On devrait être pas mal. Et par contre, du coup, les missions, oui, c'est bon, c'est fini. On peut, on va pas faire ça. Ça sert pas à grand chose. Le Havre, posséder un port en mer grecque. Ouais, non, c'est pas très très grave. Donc voilà, on achève la mission. Achever cette mission, on va allouer le titre machin, d'accord. Désormais hospitalière, si le nom du Potoxin était sans doute à l'origine un terme inapproprié, nos succès ont permis d'assurer la sécurité et la prospérité sur cette mer intérieure barbare. Les pirates ont été contenus, le commerce se développe, permettant ainsi que ces eaux soient à la hauteur de leur nom. Voilà. Est-ce qu'on pourrait faire de notre Basileus un dieu? La question de la Grèce, embellir la Grèce. Ça, cette mission sera considérée comme menée à bien si l'ensemble de la région de la Grèce est placée sous l'influence de la Ligue Péloponnésienne. Ouais. Et ça, embellir Sparta, améliorer la production de denrées et de ravitaillement, développer les mines et prospecter. Ça, il va falloir... Non, ça, il faudra qu'on se poutre contre non seulement la Phrygie et l'Égypte, alors que ça, on peut le faire assez rapidement. On va faire ça. Mine de Béotie, la province de Béotie. Tous les établissements de la province de Béotie qui le peuvent disposent de sites miniers. Alors, toi, est-ce que tu as un site minier? Un site minier, toi, tu n'as rien. Donc on va dire, site minier, c'était celui-là, domaine foncier, non. Il est où ça? Site minier. Je peux faire ça plus simplement. Site minier. Oh. Pourquoi donc? Toi, t'as quoi? T'as ça, on va dire non. Et à la place, on va mettre un site minier. Et la dernière, c'était celle-là. Tu as un site minier, oui. Site minier, ce sera site minier. Voilà, bah ce sera bon en fait. Ils les ont pas encore, mais ils vont les avoir. 2 sur 4. Oui, ce sera bon. Et ça commerce. Toutes les localités disposant d'un port en Crète ont le rang de cité. Rien que ça. Et tous les ports. Toutes les localités disposant d'un port en Crète sont fortifiés. Et rien que ça non plus. Par contre, ça amène pas mal de citoyens. Alors. Tu veux. Un fort. Là, il va nous falloir un fort aussi. Bon, les forts, on les supprimera par la suite. Là, il va nous falloir un fort aussi. Ça, ce sont les ports. Ici, on a un port. Il va nous falloir un fort. Il faut qu'on en fasse une cité. Sauf qu'on n'a pas assez de pop. Il nous faut 10 pop. Et 80 de machin. Il va falloir attendre un petit peu. Ça, c'est Crète aussi. Ah. Oui, je vais passer ça en rang de cité. Sans mettre un fort derrière. On va dire récolte épire. Récolte de épire. Épire à des domaines agricoles dans tous les bâtiments, dans tous les établissements produisant de la nourriture. Oui. D'accord, il se passe rien, c'est juste comme ça. Du pain et des jeux. La province des pierres persistantes de Henri, mais la Ligue Péloponnésienne. Satisfaction des amis, plus 15% pendant 10 ans. C'est pas mal. Ah ah. Trésor de moins 900. Alors, des conditions de cette tâche. Trésor de moins 900, Gitana. Gitana est capitale de la province des pierres. Alors, en cité, nombre de bâtiments moins 2, capacité de la province plus 800, donc non, pas besoin. Décès, tué lors d'un stupide accident, il avait 67 ans. Ça va.
Grenier pilier, nous venons d'apprendre des magistrats sur leur place que plusieurs réserves de denrées importantes de Rhodop avaient été pillées par des brigands mécontents des autorités. Ils visent ainsi, semble-t-il, à aggraver encore les tensions en obligeant la population de la province affamée à se soulever. Quoi qu'il en soit, remplir les greniers va s'avérer coûteux. 263, rien que ça. Lui, il peut se permettre de perdre 263 pour qu'il y ait 37 par contre. Ça serait pas mal. Faire 10 en influence politique. On a moins 7, mais c'est pas très grave. On va faire ça du pain des jeux. Hop. Commerce, ouvrir 3 nouvelles routes commerciales en Laconie. C'est que j'en ai déjà trop là. On verra ce que ça donne. Agiad. Bon, c'est les Agiad. Et toi, t'es mauvais hein, par contre. Hippalide. Toi, c'était pourquoi je me rappelle plus. C'est pas. 19 ans, neveu du Basilius. Pourquoi pas. Coup de sacrifice aux dieux. Ça peut être intéressant. Qu'est-ce que je voulais savoir? Regardons un peu notre famille, tiens. Payer la rançon, non. Non, pas besoin de ça. Alors, afficher les familles. Ok, Jeanne. Bon, la famille grandit un petit peu. Elle a 14 ans. Toi. Arranger un mariage. Avec qui on peut t'arranger un mariage? Quelqu'un de pas trop mauvais. T'as quel âge? T'as 21 ans. Un gars dans la force de l'âge aussi. Peut-être pas avec le cousin. Ouais, ça peut être pas mal. Bon, il est pas bon, mais... Hop. Voilà, donc ça c'est fait. Dans les familles. Ça c'est fait. Toi, tu as 33 ans. Tu as deux enfants. Il faut un autre époux. Général, Euryclide, Planide, chercheur. Avec un petit jeune. Peut-être pas non plus. À 33 ans, quelqu'un de ton âge. Nikitine, voilà. Hop. Continuer d'avoir des enfants dans la famille, ça peut être pas mal. Ah, toi c'est bon, elle est prétendante à succession. 39 ans. On ne va pas pouvoir trop se marier, mais c'est pas grave. On peut le marier, lui. Ça peut être pas mal. Et on a fait le tour, normalement. Que après, c'est neveu du Basilius. Non, héritier présomptif du Basilius. Bon, t'as 8 ans. Je peux pas encore te marier. On va peut-être pas non plus te marier avec la cousine. C'est une usine à bébés, hein, les Cyclides. C'est pour ça qu'il faut qu'on les marie tous de chez nous. Juste pour voir, toi. T'es pas marié, on peut pas te marier. Ah bon. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pas? Toi, t'es marié, on peut pas le marier non plus. Bah alors? On peut pas les marier. D'accord, bon bah, si vous voulez. Pour l'instant, ça va, faudra qu'on voit marier... Le petit, quand même, au bout d'un moment. Là, c'est démonienne, donc là, voilà. Là, on est quand même plutôt bien au niveau de la... Comment... Au niveau de la culture, ça, ça strasse, mais on convertit ça assez rapidement aussi. Là, c'est démonienne, donc ça se reconvertit un petit peu aussi. Ça, c'est macédonienne, ça va changer.
Bosporane. Alors ça, tant qu'on contrôle pas, ça va être difficile. Ça, c'est pareil. Tant qu'on contrôle pas, ça va être difficile aussi. Mais on va essayer. Tiens, Trace, est-ce qu'on peut te... Pas encore. Pas encore. C'est intégration 190. On est en train d'améliorer avec Trace. On est en train d'améliorer avec Trace. On a plus 4, le plafond est à plus 133. Oui, donc ça va, c'est tranquille. Et du coup, la mission... Ouais, marché portuaire... Chaque port de la province de Crète dispose d'au moins 2 marchés. Oh, ça va me coûter cher, ça. Trésor d'au moins 800. Produit ou importe des olives, Thébé est la capitale de la province de Béotie. Ouais, c'est pas évident. Ça donne quoi, ça? Si les prêts. Alors, ça, ça donne récompense. 3 pop d'esclaves vont apparaître. Ça coûte 800 quand même. C'est pas fameux. C'est pas fameux. On regarde l'économie. On a plus 37. Alors, ça, il serait peut-être temps. Parce que c'est ce qu'on voulait faire. On va les rapatrier d'abord. Allez, barrez-vous. Hop. Oui. Viens des là. Troisième Stratos, oui, c'est bien eux. Alors pourquoi toi t'as pas de... Non, d'accord, c'est lui. Lui qui te fait un petit marathon là pour revenir. Enfin marathon. Non mais. Ah, ils vont avoir du mal à tenir autant de trucs. Alors, richesse incommensurable. Donc, oui, il peut garder les 1000, c'est pas grave. Ah oui, comment est-ce que je peux le déifier, mon monsieur, là? Arranger une adoption... allouer un domaine, influencer quelqu'un, prouver la légitimité, détourner des fonds, non, accorder un triomphe. Ça, on peut pas faire. Arranger une adoption. C'est-à-dire qu'on pourrait amener quelqu'un dans la famille. On va pas le faire. On va pas le faire. Enceinte, toi. Bah alors. Qu'est-ce que vous attendez? Il y a 9 ans, on va peut-être te dépêcher, t'as 26 ans. Ah, ils ont pas chômé en fait les deux premières années en fait. Ça va. Ça va, ça va. Comment je peux déifier mon mec? Parce que je sais que c'est possible ça. Est-ce que c'est dans religion? Reliquaire. Il y a beaucoup beaucoup de reliques. C'est très sympa. Ici c'est toujours la même chose, morale des armées, ça peut être très puissant, ça peut être très puissant aussi. Satisfaction malgré l'inadéquation culturelle. De façon permanente, plus 5%. Satisfaction de la culture dominante, bon ça serait super utile plus tard. Même si non, parce que là en fait c'est, ils seront tous dans une sphère culturelle différente. Vitesse de renforcement, d'accord. Si je regarde ici. Satisfaction des citoyens et revenus commerciaux. Là, c'est coût des bâtiments, moins 5%. Revenus fiscaux, d'accord. Revenus commerciaux, plus 18%. En permanence. Oh là là. Il est terrible, celui-là. Ça va être terrible en fait. Revenus commerciaux. Plus 18% de 44. Ça, c'est... Mais de façon passive. Fait moins 15 en stabilité quand même. On va attendre la stabilité monte à 65, 66. Et on fera ça parce que ça, il est quand même assez pété.
Ici, modification de ça, donc ça reste plutôt bien. Cette situation, malgré l'inadéquation de la sphère culturelle, à plus 15%. Ah oui, Isis, c'est aussi très très violent. Mais par contre, celui-là, c'est quand on l'enclenche. Mais c'est très très bien ça. Par contre, après, c'est. C'est pas Hellénique, c'est Kémite. Mais ça peut être quand même très puissant. Donc là, la satisfaction des peuples helléniques est actuellement accrue de 20% par nos divinités. Donc en fait, on imagine 5% par divinité. Donc là, si je mettais Kémite, ça veut dire que les Kémites. Si on devait venir chercher eux, ce serait pas mal en fait d'avoir les Kémites. D'avoir Isis pour en faire justement une bonne. Enfin, pour aider ces gens-là à être plus tolérants envers nous. Religion, économie. Comment on déifie un mec? Faudrait que j'aille regarder. Faudrait que je regarde. Divinisation. C'est ça en fait. L'Équipe Polynésienne adopte le régime politique culte impérial, type monarchie. Le consort alloue les avantages. Faut qu'on ait. C'est un nombre de dirigeants divinisés de 4. Statut de la loi divin. Est-ce que c'est parce que c'est ses parents? Héritier préféré, non. Ouais, non, Thorian, on peut rien faire non plus. Comment on les divinise? Ouais, je regarde la wiki. Mais oui, au niveau des lois, tiens, afficher, fonction afficher les lois. Ça reste ça. Contrat mercenaire, non, non, non. Tolérance religieuse. Dissémination culturelle. Vitesse d'assimilation des peuples, plus 3. Loyauté des généraux, loyauté des gouverneurs, moins 5. Ce serait pas mal celle-là. Mais il faut qu'on ait une avancée civique d'au moins 9. On a combien en avancée civique? Niveau actuel 8. Et bon, on va pouvoir faire ça bientôt alors. Tout le monde sera Sparte. C'est tout. Là, c'est démoniaque, c'est pareil. Contrat notaire public, donc ça, faut que ce soit au moins 15. Bienveillance institutionnelle, opinion des dépendances, ou sinon c'est relation vitesse d'intégration des dépendances. Ce serait fat aussi. Moins 15 de stabilité quoi à chaque fois. Ça fait très mal hein, de changer les lois. Par contre c'est très très fat ça. Plus de relations diplomatiques, mais vitesse d'intégration des dépendances plus 0,3. C'est loin d'être négligeable. Statut divin, alors ferveur de au moins 10. Ah voilà. Ah, il est donc parfaitement appris ce que nous faisons. Alors, peu nombreux sont ceux qui oseraient nier la nature divine de la dynastie royale des Hagiades. La puissance et l'autorité qu'elle manifeste sont devenues légendaires et même nos voisins en sont émerveillés. Il est donc parfaitement approprié que nous proclamions ce que nous faisions que soupçonner. Ce que nous ne faisions que soupçonner jusqu'à présent, nos souverains sont les égaux des dieux eux-mêmes. D'accord, donc c'est. En fait, il faut faire ça pour après qu'ils soient divinisés. Et donc au bout de 4, on pourrait. Ouais. Conséquence de l'expansion agressive, moins 20%. Pas dégueu non plus, quoi. Par rapport à l'agitation dans le pays. Gain de popularité mensuel du dirigeant. Ah non, ça peut être très très sympa aussi. Oh, il y a pas mal de trucs à faire. Il y a vraiment pas mal de trucs à faire. Ouais. Donc on avait dit celle-là et celle. Pas forcément celle-là en fait. Celle-là était pas. Laquelle? Vitesse de conversion des peuples, plus 30%, loyauté des généraux.
Après, si on fait loyauté des généraux ici, ça, ça change rien. Vitesse d'assimilation des peuples ou vitesse de conversion. Assimilation. Pas mal. Je pense que statut divin, ça peut être vraiment pas mal. Parce que conséquence de l'expansion agressive, c'est-à-dire que même si ça s'est élevé, on se tape quand même moins 20% de conséquences. Ça peut aider, ça peut aider. Ça peut vraiment aider beaucoup. Voilà, bon écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que ça fait quand même 2 heures, c'est pas mal. On a bien avancé, hein. Mine de rien, bon, outre le fait qu'on a clairement grandi, on a quasiment doublé de taille, parce que non seulement on est passé de ça, à ça, plus ça, plus ça. Donc on a quasiment doublé de taille. Espérons que toi t'es loyal. Oui, loyauté c'est pas un problème. Lancer intégration 585, oui. Ça va demander un peu de temps. Mais normalement le reste devrait aller un peu plus vite. Donc on intégrera tout et on continuera d'aller écraser la Phrygie. Il faudra qu'on s'attaque à l'Empire Perse. Donc la Phrygie, ouais, faudra qu'on récupère. Mais j'ai pas assez de points. Donc faudra manger l'Arménie aussi. L'Arménie. Et continuer là. Se mettre. Si on peut manger l'Arménie d'abord. Pour récupérer ce territoire là. Après on pourra récupérer ce territoire là aussi. Plus rapidement, on sera directement avec l'Empire Perse. Et on pourra faire ping-pong entre les deux en fait. Perse, Égypte. Sachant que l'Empire Perse, au début, on aura une toute petite bordure contre eux, donc ça va nous permettre de manger beaucoup plus. Et de tenir beaucoup plus simplement contre eux. La Phrygie, c'est pas aussi simple. Il va falloir qu'on coupe ça en deux. Continue de grignoter tout le tour. Hop, comme ça, comme ça, comme ça. Donc on pourrait faire tout le bord aussi. Des grands plans. Des grands plans pour la suite. On ira se frotter un peu à Rome, parce que c'est toujours assez rigolo. Et voilà. Donc voilà. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très rapidement pour la suite. En attendant, comme d'habitude, amusez-vous bien. Salut !